chance. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai dragué ton frère? Tu vois, je te l'avais dit hier. J'avais senti quelque chose. Il n'y a jamais eu un geste ni un regard équivoque envers ce mec. Jusqu'à tout à l'heure. Il m'a plaqué contre le mur, il m'a arraché la chemise, il a essayé de me caresser. Mais c'est complètement faux, Nico. Pourquoi t'es venu dans sa chambre? Pour lui donner de l'argent. Depuis qu'il est arrivé à Marseille, il m'estorte du fric. Je lui ai déjà prêté 30 000 euros et là, tout à l'heure, je lui ai amené 1 000 euros pour qu'il se casse. N'importe quoi. Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi je t'ai rien dit? Parce que j'ai pas envie de te faire de peine ou... Pour moi, c'était important que tu renoues avec ta famille, Nico. N'écoute pas, il m'a jamais donné d'argent. Mais tu parles, il est parti de Lyon pour sauver sa peau, il est criblé de dettes. Les dettes? Ah oui, c'est les affaires, tu me connais, tu sais comment je fonctionne. Mais je fuis rien du tout, si je suis venu ici, c'est pour te voir, tu sais bien, pour faire la paix avec toi. Pour trouver des nouveaux pigeons, oui. Tu crois que j'aurais fait venir mon nom si j'étais un salaud? C'est grâce à moi que vous êtes réconciliés. Je ne peux plus vous entendre là.